On se retrouve aujourd'hui pour la série féminine avec un plateau de rêve. C'est le quart de finale entre l'américaine Lizzie Boomershine et la colombienne Clara Guerrero. Un match forcément très serré en perspective au vu des scores des qualifications. Je vous laisse avec Marc Chavez et Bruno Bidon qui sont au bord des pistes pour vous faire vivre ce match. Messieurs, c'est à vous. Mesdames et messieurs, le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois au Bowling La Sphère à Fontaine-le-Comte. La suite des opérations concernant cette 13e édition de la Bowling Pro Motion Tour. Des matchs simples en individuel. On a évidemment ce quart de finale de la division femme. Lindsay Boomershine, l'américaine, en train de s'équiper. Elle affronte Clara Guerrero, une place à aller chercher en demi-finale. Où attend la GOAT, Liz Johnson, l'américaine. Elle attend de pied ferme. Bruno Bidon, vous avez été le premier joueur français à aller du côté de la PBA, du côté des États-Unis d'Amérique. On a une américaine qui s'apprête à démarrer justement ce contest. Tout d'abord, bonjour à vous Bruno, le plaisir de vous retrouver. Et c'est vrai que là, on va vivre tout simplement intensément cette rencontre des quarts de finale. Merci Marc. Plaisir partagé. C'est parti effectivement avec Lindsay Boomershine qui nous laisse une quille. Donc, petite info rapide, Lindsay Boomershine a terminé les qualifications à 214-28 et Clara Guerrero 216-17. Autant dire, Marc, elles sont relativement proches, hein, les deux joueuses. Et donc, ça va se jouer sur une partie comme ça, sèche, comme on dit, à l'expérience et à l'envie de gagner, niveau mental. L'envie de gagner. Et puis, pour l'instant, un début un petit peu à tatillon pour Lindsay Boomershine qui laisse une quille debout. Est-ce qu'on a envie de... Est-ce que c'est obligatoire de rentrer de plein pied et de trouver le strike dès l'ouverture, Bruno? Pas toujours, effectivement, Marc, mais c'est mieux d'attaquer en strike. Oui. Donc la petite info aussi qu'on peut donner aux téléspectateurs, dans ce format en step leader en match individuel, la première joueuse, donc la moins bien classée, donc c'était Lindsay, a ouvert le match. Donc elle a fait qu'une frame et Clara va jouer deux frames. Donc c'est un petit avantage, surtout si Clara attaque d'entrée avec un strike et si elle le double, elle met tout de suite la pression sur Lindsay. Alors Clara Guerrero, quelques infos, colombienne, joueuse professionnelle, membre de l'équipe colombienne depuis plusieurs années, hein, depuis plus de 10 ans. Elle a parcouru la planète en jouant au bowling. Clara qui démarre aussi en laissant une quille debout à 10. Et oui Marc, hein, vous savez tous maintenant, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux hein, sur ces émissions de bowling, la 10, hein, le gendarme des droitiers. Petite expression de notre ami Bernard Morat, bien sûr, une légende hein, du bowling. Bien sûr, champion de France 1966 en doublette, comme il aimait le rappeler. Et donc un spare normalement pour une joueuse de ce niveau très facile. Elle joue avec une boule dure, hein, Marc, une boule de spare. C'est vrai qu'il y a deux particularités, des caractéristiques physiques différentes finalement en fonction de chaque boule. Et Clara qui a un geste assez intéressant au niveau du poignet lorsqu'elle lâche oui. La boule, il y a une sorte de remontée. Tout à fait. Elle joue avec une attelle, hein, Clara Guerrero. Alors pas toutes les joueuses jouent comme ça, mais c'est une joueuse qui est en plus relativement athlétique. Hein. Elle s'entretient beaucoup en gymnastique et donc elle a un bon équilibre sur la piste. Elle est très précise, très rigoureuse dans son approche technique aussi. Et c'est une joueuse très complète. En plus, elle a monté une fondation autour du bowling. Elle donne des cours. C'est une joueuse qui aide aussi à la promotion, au développement du bowling au travers le monde. Et elle nous a fait le plaisir de venir et c'est vraiment super. La promotion, mais c'est le nom également du tournoi, la Pro Motion Tour. Mais quelle transition, Bruno, vous êtes l'as des as de la formule. La formule juste et pas juste une formule. Attention, le strike pour Clara Guerrero. Alors, cela ne vous a pas échappé, elle a changé de piste également. Oui. Donc ça, c'est une des particularités aussi, vous l'avez dit, deux frames d'affilée, mais on change également de piste exact. De temps en temps. Oui, parce qu'on a vu ensemble, hein, Marc, les oui. matchs en équipe hein, sur les émissions précédentes. Et effectivement, le format en individuel, eh bien, on bouge de piste en piste. Alors c'est un petit peu plus technique, justement, puisqu'il y a double évolution du village, hein, c'est pas que sur une piste. Et c'est là que ça devient intéressant. Sur un combat individuel, hein, bien sûr, on est sur du très haut niveau, là. Et Lindsay, ce que vous disiez en intro, c'est une joueuse qui est proche de la victoire aux États-Unis, mais qui n'a jamais gagné. Alors, est-ce qu'elle va profiter de ce petit déplacement en Europe pour battre ses compatriotes, enfin ses copines, on va dire, professionnelles? On va voir. C'est vrai qu'elles sont rivales, évidemment, sur les pistes actuellement, mais en dehors, elles sont copines, elles se connaissent dans la vie, elles se côtoient régulièrement, tournoi après tournoi, année après année. Alors qu'elle a été championne dans les rangs universitaires également, parce qu'on a un circuit collegiate, hein, comme on dit aux États-Unis, c'est ça. Pour les universitaires. Très développé, en plus qui passe à la télé hein, sur CBS Sports. Et c'est vrai que c'est un championnat qui fait sortir des pépites. Hein. De temps en temps, on a des grands champions, chez les garçons et chez les filles. Allez, c'est parti pour le spare ici, du côté de Lindsay Boomershine sur la piste 6. Ouais. Elle va basculer du côté de la piste 5 tout de suite. Hein. Tout de suite, Lindsay qui a un style très classique. Hein.
Elle a une approche relativement, on appelle ça une approche d'école. C'est pas un jeu brutal, c'est un jeu très coulé. Alors que Clara a un jeu plus physique, hein, mais plus d'impulsion, elle est plus basse au centre de gravité, et une C plus classique. Mais sur un huilage à 42 pieds comme on a aujourd'hui, j'ai envie de dire, la porte est ouverte pour l'INSEE. C'est possible qu'elle puisse s'engouffrer dans la brèche, mais elle est un peu mal partie malheureusement avec deux spares. Allez, Boomershine pour le début de la troisième frappe avec ce strike. Ça y est, elle ouvre le compteur strike, Marc. Alors, vous savez ce qu'on dit à ce niveau-là, quand vous trouvez le strike, elle a trouvé le strike sur la 5. Normalement, elle va le doubler, mais il faut qu'elle trouve sur la 6, parce que sinon, ça fait, on tricote un peu, vous voyez, un coup l'un, un coup pas l'autre. Donc, il faut arriver à doubler sur les deux pistes, et une fois que vous avez trouvé, en général, vous enchaînez. Alors, c'est Clara Guerrero, justement, qui a trouvé le strike sur la deuxième frame. Elle va pouvoir bâtir sur cette entreprise. Cette phase intéressante avec le jeu de pied comme ça pour trouver la bonne position pour être pile poil là où on doit être avant d'amorcer sa séquence au préalable avant la libération de la boule. Exact. Et la 10 encore. Eh, je l'ai vu pendant cette semaine de compétition, elle a laissé régulièrement la key 10. Donc de toute façon, hein, comme je vous disais, c'est une joueuse, ça l'espère à une key comme ça, c'est vraiment une formalité. Mais à ce niveau-là, on doit enchaîner les strikes. Donc Clara, pour le moment, elle n'y arrive pas haut. Et comme l'INSEE d'ailleurs, donc on va voir laquelle des deux va pouvoir attaquer le premier doublé du match. C'est vrai qu'on parle de joueuses qui arrivent évidemment d'un autre continent. On a les phénomènes de déplacement de voyage, le décalage horaire. À combien de temps avant la compétition est-ce que les joueuses arrivent sur le territoire? Là, elles sont arrivées 48 heures avant, donc c'était un peu court quand même. Hein. Ça peut peut-être influer aussi hein, sur un certain moment de la journée où l'horloge biologique n'est pas forcément tout à fait 100% adaptée. C'est vrai qu'à ce niveau, finalement, c'est très peu perceptible. Oui, parce qu'en fait, ce sont des joueuses où on voit pas trop leur émotion. Elles cachent bien leur côté émotionnel. Donc, elles sont très professionnelles. Elles ont l'habitude des caméras de télévision, de ce type de match. Et c'est difficile à détecter, on va dire. Mais Clara a la routine habituelle, Marc, je la connais bien. Elle est dans sa bulle, là, ça se voit. Imperturbable. Va lier un petit peu tous les instruments dont elle a besoin pour aller chercher cette quatrième frame. Un seul strike hein, sur les trois premières frames pour elle. Exact. Et là, c'est peut-être pas mal. Ah, c'est bien parti pour le strike. Ouais, super strike, Clara. La Colombienne. Deux strikes, deux spares pour l'instant depuis le début. Allez, l'INSEE, là, elle peut profiter hein, cette petite fenêtre de tir, Marc, pour doubler. Et tout de suite s'échapper, parce que comme on sait qu'elle sait faire le strike sur la 5, si elle le met là, elle pourrait tripler. Ouais, ça, c'est une belle opportunité. Hein. On pourrait dire qu'elle emprunte la bretelle d'accès vers l'autoroute du possible, qui est une formule. C'est ça. Mais après, il y a un petit côté psychologique, on va voir, parce qu'elle n'a jamais battu hein, Clara Guerrero en finale télé. Alors, est-ce que ça peut jouer, ça? On va voir. On peut jouer. Hein. Ouais, c'est vrai que quelquefois, on peut avoir un blocage... mental comme cela par rapport à une joueuse ou plusieurs joueuses. Mm-hmm. Ah, le strike. Le premier doublé finalement de la partie. Beau doublé, je pense qu'elle va le tripler. Mais elle est relativement relaxe, on a vu. Il y a une vraie décontraction hein, qu'elle amène comme ça à la piste. Ouais, ça se voit, hein. Quand elle revient, elle n'est pas du tout stressée. À l'image un peu de Clara qui m'a l'air un peu plus fermée, on va voir. On va voir ce qui va se passer. On rappelle Marc un. C'est Liz Johnson hein, qui attend une de ces deux joueuses. Alors Liz Johnson, c'est incroyable, hein, c'est le palmarès. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est la reine hein, du bowling pro. La meilleure de tous les temps. Hein, c'est un nombre de titres incalculable hein, du côté de la PBA, évidemment, le circuit d'Amérique du Nord. Avec du 25 coup, titres. C'est ça, moi je l'ai un peu surnommé la Walter Ray Williams des femmes. Bon, c'est ça en fait, hein, si on regarde bien, c'est exactement ça. C'est vrai que quand on avait échangé avec elle rapidement hier dans les couloirs de l'hôtel, elle disait non, je ne suis absolument pas Walter Ray, il est bien au-dessus de moi. Oh, la 10 là-dessus, Marc. Elle ne s'échappe pas pour le moment. Oui, c'est dommage hein, d'avoir une opportunité comme cela, d'enfoncer le clou et prendre l'ascendant à mi-match tout simplement. Et... Ça, c'est vrai que c'est dommage. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est... Ben, je vous dis, ça peut être l'aspect mental. Bien hein, sûr, parce que, parce qu'en fait, ça paraît bête, mais... En fait, c'est un sport de concentration et surtout d'analyse et de relâchement. Et quand vous pensez, parce que si vous gambergez un peu, si elle pense
qu'elle joue contre Clara, peut-être elle se dit oh, j'ai jamais battu tout ça. Et ça suffit hein, pour dérégler la machine. Oh, normalement le spare. Hein. Le spare sans problème. Voilà. À ce niveau-là, de toute façon, on ne peut pas rater ou quasiment pas. Ouais, quasiment pas. Alors on peut peut-être préciser le format également. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ces joueuses en quart de finale? Pourquoi est-ce que Liz Johnson est déjà en demi? Et pourquoi est-ce que Danielle McEwan est déjà la top seed? Tout à fait. C'est-à-dire la tête de série numéro 1 et elle est déjà en finale. Elle attend de connaître l'identité de son adversaire. Parce qu'au départ, on a un nombre de joueurs, Bruno, et qui vont passer par une phase de qualif. Et à l'issue des qualifs, on a un classement qui est établi. Et finalement, on garde les 4 meilleurs. Et on positionne celle qui est au sommet du classement des qualifs en finale directement. La deuxième meilleure est en demi-finale. Et la 3 et 4, on retrouve ici, Lindsay et Clara, sont donc en quart de finale. C'est finalement le format step-ladder. Step-ladder, c'est exactement ça. Et il faut comprendre aussi qu'il y a quelquefois des surprises, mais en règle générale, quand vous êtes top seed, vous avez quand même très peu de chances de perdre. Ça arrive bien sûr, hein, mais vous êtes en position favorable. Et quand vous êtes quatrième, il faut remonter tous les matchs. Et c'est bien évidemment plus difficile, moins confortable. Après, il y a peut-être un truc qu'on pourrait préciser, Marc, c'est que quand vous êtes capable de remonter, vous connaissez mieux les pistes, parce que le huilage, c'est vous qui allez réaliser la transition, et donc vous avez un avantage. Mais encore faut-il qu'une de ces deux joueuses passe Lynn Johnson et aille jusqu'en finale. Le spare derrière pour Clara Guerrero, sans problème. Ouais, pas de souci. Et un match, regardez hein, le score, 90 à 97. Très très serré. Qui bascule piste numéro 5. La sixième frame désormais. Les meilleures performances pour l'instant, la meilleure performance, celle de Lindsay Boomershine avec ce doublé, frame 3 et 4. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle a d'ailleurs l'avantage, on le voit. Mm-hmm. C'est petit 7 qui, hein, un petit coussin de sécurité. Mais je remarque qu'il joue quand même l'espère, hein, Clara, à 28-68 hein, km/h, ça va vite quand même. Alors va-t-elle striker, Clara? Elle a besoin d'un strike maintenant. Oui, c'est fait. Super boule. Magnifique. Il semblerait qu'elle soit un petit peu plus à l'aise sur la piste numéro 5. Bruno, est-ce qu'on peut avoir comme ça des pistes sur lesquelles on se sent mieux et oui. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Oui, oui, exact. En fait, il y a l'évolution et la transition de l'huile, ce qu'on appelle. Et il est vrai que de toute façon, des pistes de bowling, c'est des matières synthétiques. Maintenant, il y a quelquefois des écarts, si vous voulez, entre la matière, la façon comme la piste est posée sur la piste, malgré qu'il y a une tolérance quand même très limite hein, au niveau de la planimétrie. Mais il arrive qu'il y ait des petits décalages. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, malgré à très haut niveau comme même à bas niveau, on se rend compte quelquefois de petits écarts. Et c'est donc le joueur le plus versatile finalement qui arrive à s'adapter aux deux pistes. Le plus polyvalent effectivement. Boomershine, elle avait besoin de ce strike pour rester effectivement en lice dans le sillage de Guerrero. Et elle l'obtient. Et c'est vrai que c'est à ça qu'on peut, on peut repérer aussi les caractéristiques d'une grande championne, d'un grand champion. Mm-hmm. Trouver le strike quand on a besoin d'un strike et être capable d'aller le générer. Tout à fait ça, Marc. Et là, et c'est là qu'on voit surtout aussi l'aspect mental, hein, parce que ce sont des joueurs et des joueuses, peu importe le niveau, mais à haut niveau, vous savez très bien que quand il faut faire strike, ils le font. Hein, c'est très très rare qu'ils le ratent. Et c'est vraiment l'aspect mental qui fait la différence. C'est pas la technique, c'est la tête. Il y a aussi, on peut le dire, hein, une part de sophrologie, de mise en perspective des choses. C'est-à-dire que là, si vous voulez, sur l'approche que je peux vous dire, elle visualise ce qu'elle va faire. C'est-à-dire que là, elle a pris son petit chiffon, elle enlève lui, mais tout ce qu'elle fait, toute sa gestuelle, c'est la concentration, c'est la préparation. C'est ritualisé, c'est ça. Sacralisé presque. C'est ça. Et donc, si elle ne le fait pas, elle ne va pas être dans une concentration optimale. Et ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, c'est que c'est vrai, quand on regarde le bowling comme ça, on ne s'en rend pas compte. Mais ces joueuses ont besoin de cette routine, et ça les met dans leur jeu. Ah oui, superbe. Doublé, Marc. Doublé, en effet, pour la deuxième fois du match, pour Lindsay Boomershine. Ouais. Elle est bien, là. Elle tient d'ailleurs la dragée haute à Clara Guerrero. Elle est partie, Clara doit réagir. Alors, c'est ça. La bonne nouvelle pour la Colombienne, c'est qu'elle a un strike sur la frame 6. Elle pourrait tripler. Ouais, c'est ça. Mais Lindsay aussi. Lindsay aussi, effectivement, puisqu'elle en a deux en l'air. Alors attention. Attention, moment important du match. Ouais, ça va commencer à serrer le jeu, là. C'est la fin du match bientôt. Et là, je peux vous dire, je ne sais pas du tout laquelle des deux va s'imposer. Superbe. Ah, elle s'accroche, Clara. Hein. Elle s'accroche et elle obtient la récompense hein, de ce juste effort pour
Elle a joué, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai l'œil quand même bien aiguisé, on va dire. Elle a changé un peu sa trajectoire, elle a joué avec un peu moins de vitesse, là, voilà, à 26 à l'heure, elle jouait à 27 à l'heure. Et le 1 km/h a fait que l'angle de la boule dans la poche est différent. Et ça paraît bête quand on le dit comme ça, mais ça compte. Hein. Et elle a pu le doubler et donc l'opportunité de tripler. Et on a toujours 7 quilles d'avance. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément la notion de ce que c'est qu'une poche, évidemment, entre la quille 1 et 3 et la quille 1 et 2, c'est ce qu'on appelle les poches pour droitier, entre la 1 et 3, c'est-à-dire à droite du triangle de quille. La quille 1 et 2, c'est du côté pour les gauchers, donc on va forcément aborder l'entrée, si je puis dire, pour casser les quilles, par soit l'un de ces deux axes, soit 1-3, soit 1-2. Tout à fait, Marc. Et une boule de bowling ne touche que 4 quilles quand vous faites un strike parfait dans les deux sens, ça, dans les deux combinaisons. Ouais, ça touche que 4 quilles. On a l'impression que ça en touche beaucoup plus. Ouais. Avec Lara, faut tripler. Ah, c'est dommage. Ouh, elle a failli tomber, la 10, Marc. À la lisière de se coucher, mais elle reste debout. La 10 qui pourrait finalement changer complètement le cours de ce match. Tout à fait. Alors là, moi, je vais vous dire mon sentiment en ce moment du match. Avantage Boomershine. Ouais, parce que je vais vous dire. Boomershine, c'est la première fois qu'elle a l'opportunité de battre Clara Guerrero en finale télé. Elle a un doublé. Elle n'est pas aux États-Unis, elle est en France. Et je pense, sincèrement, je pense qu'elle va le faire. Écoutez, on va voir, hein, mais je peux me tromper. On va vous appeler Bruno Bidonimus. Mais on va voir. Elle va peut-être faire ça parce que je la sens un peu plus positive que Clara. C'est-à-dire qu'elle est dans une spirale mentale différente. Elle subit moins le jeu, ça se voit. Et je pense que l'INSEE... Alors, j'aimerais bien vous prendre le contre-pied juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui vous résiste, mais je crois que, évidemment... Ah, on va voir. Vous avez été plutôt bon au pronostic sur le tournoi par équipe, donc je me garderai bien de... Ah, mais au contraire, Marc, c'est intéressant. prenez l'opposé. Vous voulez, je sais. Vous voulez que je absolument pas. Guerrero va tout gagner sur la frappe 9 et 10. En même temps, on a eu beaucoup de surprises sur les matchs par équipe. On n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Mais regardez, elle est bien partie. Hein. Je la sens très concentrée. Ce serait un troisième d'affilée si elle parvient à aller chercher le strike. Ah, la 10. La 10, décidément. Que fait la 10 ? Elle me fait mentir. J'ai l'impression que la quille 10 sur la piste 6. Elle est bien là, hein, ça je peux vous dire. Là. Elle n'est pas au chômage, hein, la quille 10. Et du coup, Marc, rien ne bouge. Hein, il y a toujours ces 7 quilles. Si elle fait spair, on va se retrouver au statu quo, hein, de la frame numéro 5. Rien n'aura bougé, donc le match est jouable jusqu'au bout. Vous êtes peut-être dans le coup, Marc, sur ce coup-là. Vous voyez. Vous allez peut-être gagner. Votre prono va être bon, peut-être. Hein. Je n'ai même pas fait de prono. Vous faites les pronos pour Bruno, les pronos pour Marc. Okay, ça y est, le spare est acquis. Spare facile. Du coup, deux frames, Bruno. Une belle dramaturgie, là encore. Ouais. On a des beaux matchs, hein, sur cette tournée. Ça va se jouer à la fin, une nouvelle fois. Alors là, ouais, 166, il y a une quille de moins du coup que tout à l'heure. Guerrero grappille, elle grappille. Alors l'INSEE, là, il ne faut pas qu'elle se trompe de direction, comme on dit, parce que la frame 9, vous savez, Marc, c'est la Foundation Frame. Vous vous souvenez, hein, c'est vrai, exactement. La Foundation Frame, très important, c'est ce qui permet peut-être de tripler à la 10 et de prendre 60 points, hein, au total, entre la 9 et la 10. 60 points, c'est énorme, hein, donc, mais il faut faire ce strike à la 9. Strike à la 9, obligatoire. Aucune pression sur les épaules, quelle qu'elle soit. Boomershine libère la boule. Et voilà, forcément, dès qu'on monte un petit peu la barre de l'enjeu... C'est très étrange. Ouais, hein. C'est ça. Et pourtant, moi j'y croyais pourtant, et là du coup... Le split qui fait mal, hein, quand même. Ah, là ça fait très 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 mal. Surtout la mauvaise frame, hein, la 9 comme ça. Je pense que du coup, là Guerrero mentalement, Marc, va peut-être prendre le dessus, sauf si elle le ferme, sauf si elle arrive à réaliser ce spare. Alors ce qu'on ne voit pas à l'image, hein, c'est évidemment ce que fait Clara Guerrero pendant que son adversaire joue, et elle a tout un rituel également avec son accessoire de poignet. Elle a également plusieurs tissus qu'elle tient dans les mains. Tout un process pour s'occuper pendant ces phases-là. Ouais. Oui, c'est vrai, hein, ça fait partie du jeu, hein, du bowling. Et malheureusement, l'INSEE, avec cet open, ouvre vraiment la porte à Clara, qui, à mon avis, n'en demandait pas tant. La Foundation Frame, qui n'a pas été très fondatrice, hein, pour l'INSEE Boomershine, malheureusement. Est-ce que Clara Guerrero peut saisir l'opportunité maintenant ?
ce moment M qui peut tout définir dans ce match. Oui, en vitesse de boule, on est à 28-29 pour Boomershine et 1 km/h de moins quasiment pour Guerrero. Ah, superbe! Ouais, le met ce strike, Marc, et le quelle strike. Boule encore! Elle se détache, ça y est. Ouais, comme quoi, vous êtes en train de... Ah, vous êtes... ah, c'est vrai que vous n'avez pas parié, mais vous êtes bien parti, Marc, sur ce coup-là. Ah, je croyais... La prochaine fois, vous allez me suivre. Oui, c'est... Bon, j'aurais préféré, pour être honnête avec vous, ça m'aurait fait plaisir que l'INSEE passe le cap, parce que c'est une joueuse voilà, qui mérite d'avoir un petit déclic. Elle est encore jeune, elle a encore des années devant elle sur la circuit pro. Mais si elle n'arrive pas à battre Clara, elle n'y arrivera peut-être jamais, hein. C'est ce qui est inquiétant. En effet, une opportunité de plus qui lui passe un petit peu sous le nez. Mm-hmm. Guerrero maintenant avec le strike sur la foundation frame qui passe frame numéro 10. La dernière, mais on peut aller loin avec des strikes. Ah, il y en a une qui reste debout, toujours la 10. La 10 encore. Et donc avec le spare strike, elle terminera à 208. Et le match n'est pas fini, Marc. Le match n'est pas fini. Car avec un triplé, l'INSEE peut gagner le match, peut terminer à 211. Avec un triplé, c'est un facteur de difficulté encore plus élevé que le strike à la foundation frame. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais elle peut être libérée peut-être. Bien sûr. Pour lever cette malédiction qui pèse sur elle depuis tant d'années. Peut-être. Imaginez si tout basculait à Fontaine-le-Comte ici sur le sol français, à quelques kilomètres seulement de Poitiers, le futuroscope, le futur deviendrait le présent et elle serait enfin libérée de cette emprise. Tout à fait. Allez, déjà, il faut le spare, hein, Clara, pour rester dans le match. Mais c'est pas le style de la maison, hein, de rater les spares, Clara Guerrero. Le spare est là. Ouais, je pense qu'elle devrait nous faire un strike, hein, pour terminer solidement ce match à 208 et obliger son adversaire à faire au moins 2 strikes. Parce que si strike et spare, ça fait 201, c'est plié. Mais elle oblige, en fait, l'INSEE à faire 2 strikes au minimum. Ce qui est un contrat un petit peu plus difficile. Ouais, c'est... Ce côté un petit peu progressif de Clara Guerrero, elle avait laissé finalement des opportunités à son adversaire durant plutôt dans le match. On s'est rendu coup pour coup à la frame 6 et 7. Les deux joueuses ont tapé des strikes. Il y a eu 2 strikes avant, 3 et 4 pour l'INSEE. Mais au final, c'est Guerrero qui est bien parti pour tirer son épingle du jeu. Et là, oh, la encore dernière la 10. Mais elle est toujours en train de... Oui, elle vacille. Hein. Ah là 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 là. Et donc Clara termine à 208, Marc, 208. Donc le contrat de l'INSEE est très simple, c'est 2 strikes et 4. 2 strikes et 4, écoutez. Et non, plus que ça, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. 2 strikes, c'est 201. Ah non, attendez, 2 strikes et 9. 2 strikes et 9 pour la victoire. C'est le contrat de l'INSEE. Bah écoutez, ça va être assez simple. Petite erreur de ma part, effectivement. 2 strikes et 8, non ? Exactement, okay. Marc. Je voulais savoir si j'avais... Je n'osais pas le dire parce que... Vous avez bien fait, vous avez bien fait. 2 strikes et 8. Et 2 strikes et 8. Première boule. Oh, superbe. Oui, strike numéro 1, ça c'est fait. C'est fait. Encore un. Encore un et un 8. Et la victoire est acquise. Alors là, on peut imaginer mentalement ce qui se passe dans la tête de l'INSEE Boomershine. Ça doit être... C'est un peu compliqué, je pense. C'est ça. Bah après, si elle arrive à faire abstraction et à reproduire ce qu'elle a fait sur le lancer précédent, c'est bon. Mais c'est bien évidemment plus dur à faire. Hein. C'est plus facile à dire, je veux dire, qu'à faire. Laisser passer ses pensées dans un moment aussi crucial, aussi déterminant, notamment quand il y a ce blocage depuis tant de temps. C'est ça. Là, c'est ça. On va bien voir. Là, elle se concentre. Elle m'a l'air quand même bien, bien déterminée. Hein. C'est parti, Marc. Ah oui. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, et 9, et 9. C'est perdu, malheureusement. C'est fou, ça, hein, Marc. Elle n'a pas joué pareil, la boule, on a vu. Elle n'a pas joué libérée. Il y avait quelque chose. Quelque chose de différent, quelque chose de, une sorte de rétention, quelque chose qui ne sortait pas. Ouais, elle a gardé la boule un petit peu dans la main, elle a fermé un peu sa main. Et donc du coup, malheureusement, elle est éliminée et Clara Guerrero continue sa route, Marc. Et elle va aller affronter Liz Johnson. Et voilà.
la dernière quille. 201 donc le score final, victoire de Clara Guerrero. Vous le disiez Bruno, on retrouvera évidemment un petit peu plus tard face à Liz Johnson, the GOAT, la meilleure de tous les temps. Ça sera l'affiche de la demi-finale. Les stats de ce quart de finale, égalité parfaite au strike et au spare pour les deux professionnels. Tout bascule sur la 9e frame. Lindsay réalise une open là où Clara strike. Score final 208 à 201 pour la Colombienne qui part en demi-finale. Tout de suite, c'est l'interview avec Marc qui va recueillir les impressions de Lindsay. Voilà, avec Lindsay Boomershine, donc au terme de cette rencontre âprement disputée face à Clara Guerrero, la victoire pour la Colombienne. Lindsay, when we get a reaction here, obviously the foundation frame looking strong up until then. What happened at frame number 9? I mean, this whole match isn't really my game. I don't play a straight, but I had to do what I had to do. I got it out a little bit, it was a little firm, and it just went completely past the break point. And I thought I made the spare, the washout. And then I just knew that I needed a double, so I came over to the 10th frame, and I thought I made two really good shots. Lane 6 is a lot tighter than 5, just down lane. So I moved my eyes in a little bit. I wasn't going to miss the head pin. And, you know, it was a really good game, except for one shot. So, what can you do? C'était un très beau match. Il y a eu un seul coup finalement qui a fait toute la différence sur la fin de la rencontre. Je me suis mis un petit peu la pression sur, à l'issue de la foundation frame, la frame 9. En rentrant à la 10, je savais qu'il me fallait le doubler pour espérer aller plus loin. Ça n'est pas sorti. Il y avait évidemment ce blocage qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Mais bon, c'était un beau match quand même, malgré tout. Obviously, looking at that particular moment in time, what is we saw when you were playing frame 10 on, after the first strike, there was you were just loaded with emotion out there. Maybe that motion, the release of the ball was a little bit different to what we saw you do beforehand. Is there something that justifies that in particular, or is it just a sort of a mental, something mentally going on at that particular moment? I think it's really hard to try to throw good shots when you need them. So the first one I really wanted to get, because that is going to give me a chance. If I didn't strike on that one, then I wouldn't even have a chance to win the match. So to me, I stay within myself, very quiet, very calm. I go through my same routine process every single shot, which I'm sure you saw. The approach is very slippery for me, so that's why I had to lick my shoe. So to me, I did everything I possibly can. Just one bad shot, and you know, I thought I gave myself a chance. Là, Lindsay nous explique qu'elle a fait tout ce qui était en sa capacité pour essayer d'aller au bout de l'effort, au bout de l'entreprise. Malheureusement, il y a eu ce coup qu'elle n'a pas réussi à trouver. Deuxième coup de la frame numéro 10. Voilà, elle a joué, elle a perdu. C'est ce qu'elle nous dit. Thank you so much, Lindsay. Merci beaucoup.